Ce lundi 3 juin, la famille royale britannique organisait un banquet pour célébrer la visite d'État de Donald Trump. Pour l'occasion, le président était venu aux côtés de son épouse Melania, de sa fille Ivanka, et de son gendre Jared Kushner. En l'honneur du couple présidentiel américain, Elizabeth II et l'ensemble de la famille royale britannique étaient réunis à Buckingham Palace à l'occasion d'un grand banquet d'État. Ce lundi 3 juin, Donald et Melania Trump ont rejoint la reine d'Angleterre après avoir pris le thé avec son fils, Charles, et sa bru, Camilla. La duchesse Kate Middleton est arrivée accompagnée du secrétaire américain Steven Mnuchin, tandis que le prince William est arrivé en compagnie de Theresa May. Melania et Donald Trump n'étaient pas venus seuls, puisqu'il était accompagné d'Ivanka Trump, elle-même venue aux côtés de son époux, Jared Kushner. Les trois autres enfants du président américain, Donald Jr. Eric et Tiffany, étaient eux aussi présents. La tenue très royale de Kate Middleton a fait sensation, d'autant plus que la duchesse de Cambridge a tenu, une fois encore, à rendre hommage à Lady Di en arborant son diadème préféré et ses boucles d'oreilles perlées. Donald Trump a fait un discours. Tous les convives présents à la table de la reine ont brillé par des tenues toutes aussi prestigieuses les unes que les autres, que Closer vous propose de retrouver dans ce diaporama. En milieu de banquet, Donald Trump a tenu à faire un discours, et a complimenté la reine d'Angleterre, « Vous êtes une très grande, grande femme ». Le président a également rendu hommage aux forces britanniques qui se sont battues pour la victoire, et y ont largement contribué.